Yo l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media là et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media là. Bien nous pas perdre du temps, n'a commencé. Cool yeah. On va commencer par dire que nous sommes des républicains à partir. Un républicain, c'est quelqu'un qui croit dans les institutions républicaines et qui sait que les institutions républicaines ont des responsabilités qu'elles doivent assumer. Si c'était la justice qui t'a agi, si c'était l'ULCC qui t'a agi comme institution d'État, institution républicaine, qui a cherché corruption, bah, il y a la garantie la plus totale que matin, hein, secteur démocratique n'a pas fait conférence de presse. Nous avons dit, oui, la torture, cherche avocat, à le défendre. Mais si c'était la justice qui t'a agi, mes chers amis, Jovenel Moïse, non, cité 69 fois dans le dossier Petro-Calvé. Monsieur t'a si, c'est la justice qui t'a agi en toute indépendance, mes chers amis. Monsieur Lalo, qui volait pas Petro-Caribéa, monsieur t'a pris son état. Si c'était la justice qui t'a agi, Laurent Lamothe Kounia, qui est le principal conseiller Jovenel Moïse, tout ça t'a pris en prison déjà. Martine Moïse t'a pris en prison déjà. Olivier Matin. Nous sommes arrivés à la conclusion que la bataille n'est pas une bataille de justice. C'est un dossier que Jovenel Moïse essaie d'instrumentaliser à des fins politiciennes, à des fins malsaines. Et à partir de ce moment, pour donner la réplique qui s'impose, le secteur démocratique et populaire et l'opposition en général a décidé de donner au sénateur la torture un support sans faille, un support politique, un support moral. Et c'est pourquoi aujourd'hui, un peu partout à travers le pays, le secteur démocratique l'a mobilisé. Dans le Nord, sous la houlette du sénateur Bastien qui est là, notre coordination départementale doit s'adresser à la presse aujourd'hui. Dans la région des Parles, Moun Nuragouane, Moun Léogane, Moun Tigouave, Moun Gressier, Nantigouave, il y a fait une conférence de presse de support. Et ici, au niveau du quartier général du secteur démocratique, nous donnons cette conférence de presse pour dire que nous comprenons très bien le jeu, que nous ne permettrons pas à un pouvoir rejeté par la population d'instrumentaliser un soi-disant dossier de prêt de l'ONA pour abattre l'opposition politique en plein vol. C'est ce qu'on veut. On veut casser le combat de l'opposition. On veut nous déstabiliser. Vous voulez faire nous passer pour voler. Alors ce que voler, c'est dans le palais national. C'est ça la vérité. Et vous voulez prendre dossier ça pour vous faire oublier que PHTK pendant 10 ans crasé. Parce que le bilan politique est là. Institution écrasée, parlement pas fonctionné. Cartel Mério, mandat fini par l'élection. Le bilan économique et social est catastrophique. PHTK prend le pouvoir. Nous avons besoin de 40 gouttes pour un dollar américain. Nous avons besoin de 124 gouttes. C'est une catastrophe économique. Le PHTK prend le pouvoir. Le service de la dette annuellement, c'était 2,6 milliards de gouttes. Je dis à ces 20,06 milliards de gouttes en augmentation de plus de 812%. C'est une catastrophe jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité sur le plan économique. Alors, nous ne pas quitter Okunia, nous avons fait une peur. Ils comprennent, nous c'est volé, nous c'est bon monde, et puis il a fait politique, il a fait persécution politique. Puis HTK prend le pouvoir, Mamine Durie qui te vend 500 gouttes là, je dis à nous combien elle vend. Lorsqu'il qui te vend 5 gouttes là, il vend 25 gouttes, je dis. Galon Lalberto qui te vend 375 gouttes, je dis à vend 975 gouttes. Tissac Durie, 25 kilos qui te vend 450 gouttes là, il vend 2250 gouttes, je dis.
C'est la catastrophe. Ministère dans tout le pays, il y a la guerre gang de tous côtés. Avant, il y a ramassé, soit le Jacinti, même Moron, Chambellan, je vous mettre des gangs. Hier matin, on est blocos qui relève. Il dit, mais je viens de mettre des gangs blocos, tout le monde est en dehors. Je mettre des gangs dans tout le pays. Bref, le combat est politique, mais c'est pourquoi nous donnons aux sénateurs la fortune, un support politique sans faille, un support moral sans faille. Et jeudi matin, il n'y a pas pour compter, nous tous nous appartenons. Parce que le dossier est politique. Maintenant, l'aspect technique du dossier. Première information, la mère du sénateur La Tortue, Madame Marie Immacula Cantave, n'est pas prêté corps dans Ouna. C'est la première information. Il faut que ça clarifie, il faut que ça claire. Depuis le 24 avril 2017, Madame Marie Immacula Cantave t'est déjà adressé en correspondance au directeur général de l'ONA pour dire qu'il sortit dans le projet ça parce qu'il n'est pas capable de rentrer là-dedans. Bref, maman, Yuri La Tortue, pas doué au accord. Autre chose. Maintenant, quand le sénateur La Tortue décide de prendre un corps dans l'ONA, 70 000 longues, premier bagage qu'on a fait, il faut nous comprendre ça bien, on a envoyé une équipe monde, Léogan, pour aller visiter ferme La Tortue. Les visiter ferme, non, le service de crédit de l'ONA, ferme, non, capable de supporter prêt ONA sur le plan financier, sur le plan technique. Et ont décidé, il y a bail, on prêt de 70 millions de gourdes, osé pour La Tortue, pour le renforcement et l'aménagement de la ferme La Tortue, située à Léogane. C'est clair, pas de question market, pas de question pharmacie. Ou pas capable de bail, on ferme agricole, on comme, et puis pour dire pour la faire market, pour la faire pharmacie. Il faut être très imbécile pour le dire, franchement. Autre chose, dans le contrat hypothécaire, passé en l'étude de M. Jean-Henri Seyan, entre le sénateur Yuri La Tortue et l'ONA, représenté par son directeur général, M. Chesnel Pierre, il est écrit noir sur blanc que ce prêt de 70 millions de gourdes est accordé aux époux La Tortue pour aménager, renforcer et terminer la construction de la ferme La Tortue se trouvant à Léogane. Ça veut dire pas gagner question market, pas gagner question pharmacie. Effectivement, un projet market, un projet pharmacie, mais le prêt accordé aux époux La Tortue, selon le contrat hypothécaire, c'est pas moi qui parle, c'est le contrat qui parle, et bien bon, c'est pour renforcer, c'est pour aménager la ferme La Tortue qui se trouve à Léogane. Et autre chose, dans la correspondance du directeur général de l'ONA, adressé à Maître Jean-Henri Seyan, notaire public à Port-au-Prince, remplacé depuis quelque temps par son fils, bien sûr. Eh bien bon, le directeur de l'ONA a écrit très clairement dans cette correspondance que la ferme de Léogane appartenant aux époux Yuri La Tortue, la femme née Paul Junia Irvel Pierre, accepte de prendre ce prêt de 70 millions de gourdes. Alors, la question est terminée sur le plan technique, sur le plan juridique. Le débat est clos. Les époux La Tortue ont bénéficié d'un prêt de 70 millions de gourdes pour renforcer, pour aménager la ferme La Tortue qui se trouve à Léogane. Pas de question market, pas de question pharmacie. C'est ça la question. Tu dois se présenter par devant l'ULCC. Parce qu'il faut dire non, ce qui base, il y aurait les sénateurs La Tortue. Parce que pour nous, son dossier qui est clair, son dossier qui est clarifié. Mais comme la meilleure défense en politique comme dans la vie, c'est l'attaque, nous disons, nous profiterons de l'audition du sénateur La Tortue ce jeudi 13 août 2020 par devant l'ULCC pour contre-attaquer. Et c'est ainsi que, un,
bon plainte qui a déposé devant ULCC pour la Jean Caravane, Martine Moïse, Jovenel Moïse, volé. Bon, l'autre plainte qui a déposé par devant l'ULCC pour une affaire de 800 millions de gourdes accordée à une compagnie de location sous l'influence de la présidence. On est qui bon compagnie location, qui te qu'on prête Jovenel Moïse, machine, qui te qu'on balle machine en campagne, Jovenel fin président, monsieur dit, mais faut payer mon douem 2 millions de dollars. Jovenel il qui pour Ona là, il appelle le directeur de l'ONA, il dit, bah monsieur 11 millions de dollars américains. Il balle 11 millions, et puis monsieur combien en poche, il dit, bah Jovenel 3 millions d'abord. C'est ça que le ce dossier, n'a pas été devant le CC pour nous voir qui ça directeur a fait. Est-ce que effectivement ce monsieur, il est intéressé à la lutte contre la corruption? Maintenant, autre chose, il y a une affaire de mazout qui a endommagé les moteurs de l'EDH. C'est le directeur de l'EDH qui l'a dit. Et je prends comme l'État pour réparer les moteurs endommagés par la faute de la compagnie Plus Belle Riche. Ce dossier sera porté également par devant l'ULCC. Nous prenons ouais qui ça jeune homme n'a fait. Est-ce que voilà le menu de ça nous vient pour nous faire entre jeudi et jeudi matin par devant l'ULCC. Le combat est surtout politique. C'est pourquoi nous disons à partir de jeudi matin. Le pays se réveillera en condition 2. Condition 2 dans l'armée, cela veut dire qu'on est prêt à tirer, mais on ne tire pas. On est prêt à tirer, mais on ne tire pas. Le pistolet est à la main, mais on ne tire pas. On sera en condition 2 à partir de jeudi matin 13 août 2020. Parce que, on va tirer, regardez, si Jovenel pense, si dossier ça t'a fait une courir, fait une courir, franchement, il se voit comme M. Chacon Lopin. À l'échelle nationale, enseignants obligés de prendre la rue justement pour demander que l'école de l'ouvrir.
mais nous vivons dans des conditions normales qui vont mettre en danger la vie élève, enseignant et l'autre personnel qui est dans l'école là. Nous avons des enseignants totalement frustrés qui ont des revendications justes que l'État criminel qui est là pas dire satisfait. Par exemple, enseignants, le salaire a diminué de plus que moitié. Donc, enseignant, par exemple, qui a un chef qui a dans le temps $150 américains, l'autre convertible, on a gagné $46 américains comme salaire. Et à jeudi, il faut vivre $46 américains. Il faut vivre lui-même, il gagne $6,000 pour payer cali seulement. Quand je suis payé, l'État paye $5,000 pour payer cali seulement, manger par la donne, un par la donne, pour manger sur le bagage, l'État paye à pas. Donc, même à ça, quand tu es 5 000 US seulement pour Cali chaque mois, décider que France y a vivre à 46 000 US par mois pour payer Cali, pour payer l'école, etc., pour être criminel. Donc, tu vas être frustrant. Donc, moi, dès que le web ça, il faut le poser et résoudre. Troisième médaille, nous avons l'école. Tout à l'école, quand même, c'est l'école, c'est l'école privée. Il faut payer. Donc, pour Mascom qui baille dans 4 crises pour la vie, nous demandons que l'État paye et reste à Néa. Les parents, yo, parce que là, yo, par exemple, pour aller payer 100, 200 000, 300 000, 400 000 pour tout simonier dans l'école, yo. Donc, nous mettons ça. C'est des conditions, c'est des éléments qui doivent, qui doivent en dedans et pas qu'ailleurs, qui doivent résoudre comme problème, parce que vous, c'est l'école qui est inclusive, qui va exclusive. Troisième bagage, et Abdi, nous gagnons dans quelques crises de la virus, gagnons des mesures de protection qui nous prend dans toute l'école, yo. Par exemple, plusieurs points d'économie qu'elle avait mais et distanciation sociale, est-ce que élève dans sa salle de classe il va depuis soupil. Si on a évité de passer à toutes les collations à l'eau, à notre lycée comme qui est là, à regarder qui s'est fait comme préparation. Est-ce que il y a un point d'eau, plusieurs points d'eau, puisque c'est des milliers d'élèves qui ont fréquenté. Est-ce que les classes sont subdivisées? Est-ce qu'il y a 150 élèves? Est-ce qu'il n'y a pas toujours pour les mêmes gens, etc. Donc, mais évitez-nous à souterrain. Pour le sac à dire dans la presse par Génor avec l'équipe Mantelio et ce qu'a fait sous le toit réellement pour nous dire population, mais ce qu'a dit comme menti et moralité à les alliés. Donc, dans ce sens, nous disons tout enseignant à échelle nationale, mobilisation à poursuivre le 17 sous le toit et comme une base avec toutes les organisations que nous appuyons. Yo mobilisation devant cousin de côte jeudi n'a présent et la vie tout boule tout enseignant les quelques paysans ont été mobilisés jusqu'à ce que nous joignent satisfaction pour de revendication juste que nous gagnons. Il reporté un hier il y a un pile camarade qui prend un pile coup de roche qui l'hôpital actuellement il y a une d'a dit fait même là tout maintenant lieu là. Il y a une confusion, il y a un peu de monde qui est dans le en bas, dans l'ancien local, c'est John Free là. C'est après qu'il y a quelqu'un qui est là, qui fait que nous avons dit, il y a un peu de camarades qui sont disponibles à cause de café radiographique, l'hôpital, etc. Ensuite, tout parce que nous avons un gros mouvement de mobilisation de 17, nous avons déjà rentré dans la préparation, mouvement de mobilisation, mais en fait, ça qui est important, à l'échelle nationale, mobilisation pour poursuivre et pour le reste, la pour poursuivre le 17 dans tout pays. Dans tout pays, mais pour le reste, ça va se faire. Donc, avec nous-mêmes, nous voulons que l'école réouvre, mais nous disons que c'est des conditions pour réouvrir, pour ne pas on va écrire le vote de la grande Timoun, mais qui réouvre, qui est un échec. Et puis, pour qu'un enseignant qui peut pas faire l'école, il est tellement frustré, il n'y a pas de moyens pour y faire ça. Et puis, un élève qui peut carrer tout parce que par un mal pour payer pour eux. Troisième bagaille, enseignant qui a un salaire qui est dévalorisé. Donc, $250 qui est $46 aujourd'hui, il n'y a pas de décision d'ajuster. Parce que même dans la loi pays, il prévoit, dès que gagne un salaire, il va couper la vie à augmenter. Fait 10 à 15% bon niveau, il faut qu'il va qu'il augmente, il faut que l'État ajuste sa, et salaire, il faut qu'il faut payer. Je dis, ma connaissance est triplé ou plus, donc il va jamais envisager ça. Donc, professeur projet qui a fait l'école là, si maintenant il va gagner des mêmes conditions, il est frustré, même s'il allait, c'est l'école qui est là, il va là, donc pas gagner, il a fait le travail. Et ça
Et c'est quand fait la comme nous faisons des classes, tu vas être démagogique, tu sais, il n'est pas préparé. Tu veux des classes qui proclamer, mais qui pas planifié. Ça fait que, pour nous-mêmes, sur l'échec et sur catastrophe et tout, quand vous avez un rêve, vous avez 1500 à 2000 par jour, donc ma collègue, ça paraît pour être 1200 à 2000 élèves par jour à professeur, puisque les conditions de l'école là, pile sous pile, sans aucune mesure de protection pour protéger la vie enseignant et le personnel élève, donc pour arriver à une catastrophe comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un échec là bientôt pour élèves qui sont dans l'école publique, puisque vous connaissez qu'il y a un élève qui a l'école dans l'école? Bonjour. Dans tout le pays, il y a une école bloquée actuellement. Nous qui prenons la République de Port-au-Prince, qui est pour Haïti, Haïti n'est pas la République de Port-au-Prince. Si l'école de Port-au-Prince est grève, mais le pays ne fonctionne pas, l'école de pays. Là, il y a un professeur qui est confectionné, donc le professeur de la souhaité qu'il est confectionné. Mais il faut poser des conditions plus ou moins adéquates qui permettent que vous puissiez enseigner, vous puissiez apprendre. Et la vie pour en danger tout. Si vous passez, comme c'est ce que je vais instruire, nous appelons à le peuple la vraie information. Pour en discourager nous, et allons l'école, garder ça comme réalité, privé de public, et dire pour la population, ça qui est vrai. Et nous avons aidé la population à découvrir qu'il y a de mentir à Génor, à Baye, et qui est la réalité, qui est la donne, et pour que ça bloque la mobilisation, pour faire correctement, de manière, pour que les professeurs jouent une satisfaction, qu'il y ait une condition pour élèves. Et apprendre et pas gagner vie aucun professeur, élève, personnel qui mettait en danger parce que par aucune mesure de protection qui prend réellement. C'est une radio et la télévision, mais je le point, mais sous terre, pas aucune mesure. Et samedi là, passez nous-mêmes vérifier la bonne idée. À la prison civile de la Croix des Bouquets. Nous remplissons notre obligation, laquelle. Celle de réduire le taux de criminalité dans le pays de concert avec la PNH. Merci d'avoir pensé à réunir cette troupe pour m'accueillir pendant la visite. Et nous tenons à vous dire, à vous conseiller de collaborer étroitement avec le directeur général de la PNH. Ceci pour permettre à la justice de redorer son blason, pour permettre à la justice de présenter un vrai tableau. Vous êtes là pour collaborer. Je ne vais pas vous faire une injonction, mais vous connaissez qu'il y a de la hiérarchie en tout. Vous devez respecter les règles de police. Vous êtes là pour protéger et servir. La population haïtienne attend beaucoup de vous. Vous devez en quelque sorte chercher à faire un coude à coude de telle sorte que la sérénité, la paix puisse rétablir dans le pays. Quand il n'y a pas de paix, les familles sont en difficulté. Quand il n'y a pas de paix, les investisseurs ne peuvent pas venir. Quand il n'y a pas de paix, eh bien c'est la misère. Chacun de nous ici aimerait bien vivre sa vie. Mais s'il n'y a pas de paix, on ne pourra pas vivre. Policiers, policières, vous êtes en quelque sorte garant de la sécurité. Garantissez cette sécurité pour un meilleur avenir du pays. Merci. Monsieur le ministre, merci. Vos instructions sont reçues et elles seront à la lettre exécutées. Merci, commissaire. Bon travail. 600 personnes qui ne sont pas jugées. Il y a 600 personnes. Quand trois papiers, nous mettons des papiers, nous ne sommes pas jugés. Comme ministre, nous sommes pas là pour nous. Comme ministre, nous sommes pas là pour nous. Nous ne sommes pas là pour nous. Mais là, oui, nous parlons. C'est qu'à ça jugé. 600 personnes. C'est qu'à ça jugé. 600 personnes. Et il y a 17 ans dans la prison.
Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.